Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Nous retournons dans la deuxième partie émission Les grands dossiers de l'actualité pour ce 3 juin 2019. En plus, les formations abdominales d'actualité, surtout avec rapport de Cour supérieure des comptes, côté que nous connaissons, rapport sur l'affaire de Petro-Caribé. Eh bien, des dépenses qui faites, yon nan moun que la justice t'a impéglé, c'est bien le président haïtien, M. Jovenel Moïse. Nan moun on a parlé là, le président haïtien, M. Jovenel Moïse, est en difficulté. D'après rapport là, qui gagne la donne au moins 612 pages. La donne, il retrouvait que le président Jovenel Moïse lit normalement gagne deux compagnies et dans deux compagnies ça yo, yo gagne même immatriculation fiscale. Ça veut dire que compagnie ça, gen même NIF, mais comme qui t'a débloqué yo, yo sorti, yo montre que c'est deux compagnies, mais légalement, c'est à une seule compagnie, mais yo tranché en deux. Dans point ça, rapport qui sorti de Cour supérieure des comptes, yo t'a retrouvé que le président haïtien, M. Jovenel Moïse, t'a gagné culpabilité. Dans le point ça, n'a pu rappeler à auditeurs et téléspectateurs qui ont suivi que le président est en difficulté. La justice haïtienne, les partis politiques, les membres de l'opposition ont demandé la démission du président Jovenel Moïse. Du côté du président haïtien, M. Jovenel Moïse, il a déclaré que l'ICE chef l'État. C'est lui, l'IGA, l'ILA pour garantir sécurité de PIA. Intérêt PIA, c'est lui-même qui pour garantir. Pendant ce temps, le président dit que lui-même, il n'a pas rien que pour le faire et le pape prend pression. Qui est-ce qui est responsable rapport ça? Ce sont des mouns que président lui-même tout de côté parle qui étaient formé une commission pour enquêter sur le dossier de Petro-Caribé et le demander à autorité qui fait partie de commission hein, moi demandez nous tout moun que nous t'a trouvé qui coupable présenté yo devant la justice et jugement obligé fait. Et moun sa yo, ce sont des moun qui pas gagnent une acquaintance à président parce que moun qui ont mené à mener enquête ça sur le dossier de Petro-Caribé gagnent des spécialistes, des étrangers qui t'ai fait partie qui spécialisé autour dans dossier là. À la fin rapport la sorti et rapport la baille que le président haïtien, M. Jovenel Moïse, l'y indexé à dossier ça. Deux dossiers que, qui vraiment, bah, on paquet de panique. Et dans un moment, il y a des gens qui ont posé des questions comment le président va sortir là-dedans. Ils ont préparé là des manifestations pour demander le départ du président. Et ils ont demandé pour que le président l'ita présenté devant la justice et l'ita même rivé non point côté pour t'a emprisonné. Comme Cour supérieure des comptes, ils ont même ils ont pral déposé dossier devant la justice et le président haïtien M. Jovenel Moïse a posé cette question-là. Qui ça le fait?
Parce que ce n'est pas un monde qui dit que le président est coupable, mais c'est un dossier qui au moins qui est évalué à 612 pages. Et c'est la donne que indexé le président haïtien Jovenel Moïse. Mais pendant ça, tout, il y a des informations qui ont tombé, qui t'a fait connaître que le président haïtien Jovenel Moïse, dans le rapport là, c'est un duplicata. Ça veut dire que y a deux compagnies ça y a, que le président a recevoir COB dont de lui-même, de même niflant, il a dit que c'est impossible, son vol que lié. Ça montrait que rapport qui sorti a, d'avoir que il a indexé président, eh bien, Livin Bay, normalement, à l'échelle internationale, il y a un yeux sur Haïti. Depuis hier soir, le monde concerné, presque la majorité à travers le monde, des pays, yeux yo fixés sur Haïti, yo parlé d'un président en Haïti qui lui-même, à cause de la misère de ce peuple, et que président lui prend quoi pays, lui gaspille et lui vraiment fait des transactions et yo gagne des données. Il faut que nous rappelions. Presse internationale font bouillac ça. Et le président haïtien, M. Jovenel Moïse, pourquoi faire une grande déclaration sur le dossier ça? Mais, d'après les leaders politiques, ils ont décidé, parce que il y a un pile monde qui a indexé le dossier. Et le président Jovenel Moïse, actuellement, il y a l'attente parce qu'il a demandé pour que la justice fasse chemin. Ils ont même demandé des partis de l'opposition. Ils ont dit que il faut que le président t'a actuellement travaille côté que quand emprisonné. Son dossier qui dure parce que c'est pas seul haïtien qui concerne Kouniala. Eh bien international là, nous te dit déjà entre bouche sur la dent. Nous prenons entrer dans l'autre dossier qui est vraiment important pour auditeurs et téléspectateurs qui ont suivi. Moi rappeler ici sur HPM, moi t'ai gain chance rencontrer et faire une interview avec l'ancien premier ministre Laurent Lamothe qui lui-même t'ai gagné en pile bruit qui t'ai couru sous détournement de fonds, il t'ai parlé de construction des stades que il a pas de cas joindre des preuves de stade ça yo des cobs qui dépensaient. Et nous te fait le devoir sous HPM, nous t'ai rencontré avec le premier ministre monsieur Laurent Lamothe et le ça nous t'ai gain chance chita avec font face à face poser des questions et me t'ai dit la question que me t'ai posé monsieur le premier ministre yo indexé dans le dossier Petro-Caribéa, que y a des millions qui disparaissent, quand il y a un monde qui est responsable. Il t'a demandé, Moloscott, enlevez-moi ça. Il t'a pris note de ça. Et ça qui t'a étonné, il t'a continué à mener enquête. Vraiment, hier, Cour supérieure des comptes, il paraît avec rapport qui a au moins 612 pages sur le cas de plusieurs hommes politiques et présidents et des hommes qui, normalement, font partie de dossier Petro-Caribéa. Comme moi, j'ai eu chance de faire interview, ça fait plus que des mois que j'ai réalisé interview ça avec le premier ministre Laurent Salvador Lamothe, dans le rapport que Cour supérieure des comptes mettait de yo, sur le cas du premier ministre M. Laurent Lamothe, yo mettait dans le dossier, yo relevait
que Laurent Salvador Lamotte li ta tombé nan point sa nan irrégularité administrative. C'est ça que normalement rapport de 612 pages là mettait de yon. Ça veut dire que Laurent Lamotte yo pa bay publiquement que gen des millions qui passaient dans mel. Mais dans le rapport qui baille là, il dit que il y a une irrégularité administrative. Ça veut dire que, pour expliquer à auditeurs et téléspectateurs, dans le rapport qui baille là, que nous avons une idée de ça, côté que Laurent Lamotte, il t'a fait connaître que, lorsqu'on parle de irrégularité administrative, il y a une possibilité en correction pour lui. Mais, il n'y a pas baille de en base de données qui t'a dit que ces millions, est-ce que lui-même, il te volait des millions? Il n'a pas dit ça dans le rapport là, dans le rapport qui sortit de 612 pages là. Mais nous-mêmes, nous pourrons continuer à enquêter parce qu'il y a un pile l'autre dans le monde qui est indexé. Mais comme nous-mêmes, nous avons eu la chance de rencontrer, il n'a pas dit à auditeurs et téléspectateurs, yo, sur le dossier de Laurent Salvador Lamotte, et rapport là-bas, que c'est irrégularité administrative que lui-même l'était dans le dossier. Et nous connaissons qu'il y a plusieurs points qui baillent, qui dit que Tegué a fait une vingtaine de stades qui t'a supposé construit et qui n'ont pas fini achevé, qui a parlé de ponts qui étaient faits sous zone Delma. Et bien, tout le bagage, ça y est, il t'a expliqué le tout. Pas bon, ici, il t'a fait interview avec elle. Mais quand même, nous pensons que l'important, son devoir sur HPM et chaîne publique média pour nous être capables de faire auditeur, parce que nous avons fait une interview avec elle, pour nous dire que mes sacs sautent de Laurent Lamotte. Mais quand même, continuer, enquête à continuer là. Nous disons que pour le président Jovenel Moïse, nous avons dit parmi tout le monde, c'est lui qui pourrait presque plus culpabilité, hein, parce que nous avons que la presse là en question, yo focus sous président Jovenel Moïse. Presque tout le monde a parlé, oui, il y a des données et rapport de 612 pages là, bail que le président Jovenel Moïse, oui, il y a des millions, il y a des bagailles que le Tédi l'a fait, il a débloqué des millions de dollars et que, avec ça, il y a des preuves tangibles qui montraient qu'ils ont demandé pour que le président Jovenel Moïse, pas trop loin, pour que la justice cap un dossier en main. On situation qui n'a pas suivi, il y a plusieurs autres noms, la cap cité, et nous-mêmes, n'a pas gagné pour nous venir avec plus d'informations pour auditeurs et téléspectateurs cap et suivre les grands dossiers de l'actualité sur votre chaîne de télévision HPM et chaîne Public Média. Mais dans pile moun là, vraiment, en pile non cité, et ils ont demandé à la population pour commencer à préparer. Et il y a même des leaders politiques qui ont demandé à la population commencer à prendre la rue, commencer à manifester parce que l'important, le départ du président Jovenel Moïse pour eux-mêmes, pour les leaders de l'opposition, l'important parce que dès qu'on président, c'est un vol que le tailler. Mais les leaders de l'opposition ont demandé il faut que le président Lita baille démission. Est-ce que ça qu'a fait, c'est la justice qui vient pour le faire chemin? Gagné un ancien sénateur qui lui-même qui annonçait lui t'a demandé que dossier a pour ta fond camper sous lit monsieur Erivo, il dit que rapport là pour lui-même, il pas de fiabilité et il prend des positions pour dire que le président Jovenel Moïse pas ta coupable. Et il faut que nous rappeler que ce dossier, c'est un dossier, son dossier d'État. Et il y a un pile monde qui avait cœur cassé là, parce que après que rapport de 612 pages ça, eh bien, il montrait que à la fin, il y a possibilité que nous nous joignions aux solutions avec ce dossier de Petro-Caribe, de détournement de fonds et autres. Et Jean Kenondil, il y a des monde qui ont indexé. Mais il y a des gens tout que la justice presque blanchie n'a pas suivre et nous promettre à auditeurs et téléspectateurs n'a pas d'autres informations pour eux. C'est ton plaisir que nous t'avons avec nous.
Non, Pam, c'est Edward l'aventurier Ernest Moleskine. Sur la table de contrôle, c'est bien Juan Gonzalez. Il est assisté par notre collaborateur Abner Julin, dit Abner Ju. Ça a été un plaisir. Et bonsoir.